Alors bonjour tout le monde, je fais une vidéo imprévue et je sais pas si elle va sortir, mais je vous avais fait une vidéo sur Let Me Solo Her. Et là je suis tombé avec un mec, il s'appelle Let Me Solo God à Radagon. Du coup bah je regarde. Je sais pas si c'est vraiment un mec qui veut se solter Radagon, mais bah il se prend tous les coups. Un mec qui se lotterait vraiment, il se prendrait pas tous les coups. Quoique le mec il esquive, il est full HP. A mon avis le mec, il est pas mauvais mais il est pas ouf non plus. Alors, est-ce qu'il va soloter la Elden Beast? Bah, j'agis quand même parce que bah, le gars se prend tous les coups en fait. Allez, il se prend 40% du coup. Je vérifie bien les moves de Let Me Solo God. Eh, il dodge hein. Il dodge. Ah mais en fait c'est moi Let Me Solo God. C'est moi qui dodge tout. Ah, vu les points nuls sur le god et vu comment il tape, à mon avis il a plus de potions. Je vais essayer de le soigner. Je dois me rapprocher de lui. Ok. Voilà, moi je soigne mes alliés. Qui dit qu'il n'y a pas de support dans Elden Ring? Oh là là, c'est Let Me Solo God qui le finit. Bon, il a pas solo, hein. C'est un Let Me Solo God Echo Plus. Bon, bah voilà. Petite vidéo imprévue. Qu'est-ce que vous avez pensé de Let Me Solo God? Il y a une cinématique à ce moment-là? Ah non, c'est bon. Voilà, dis-moi ce que vous avez pensé de ce Let Me Solo God. Même s'il était un peu éco plus, mais il n'était pas dégueu du tout. Bah voilà, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas, les commentaires sont là. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao.